surtout pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous présenter, donc pour moi c'est le premier set Lego Avengers Endgame que je vous présente. Donc c'est le set 76125 Iron Man All of Armor avec deux Outriders, Iron Man Mark 1, Mark 5, Mark 41 et Mark 50. Donc là vous êtes en train de vous demander où est la Mark 50, elle est en fait dans l'armure de Igor en construction de briques. On va d'abord s'intéresser à elle d'ailleurs, et après on passera à tout le hall d'armure, et ensuite je vous montrerai chaque détail de chaque armure. Et les Outriders, bon ça vous les connaissez parce que c'est les mêmes que dans Avengers Infinity War. Allez, on commence avec Igor. L'armure de Igor, non franchement, il y en a beaucoup je sais qui sont déçus, qui la trouvent mal faite, ils auraient préféré un big figure, mais franchement avec les pièces et la taille comparée à une figurine, je trouve qu'elle est vraiment à la bonne taille, parce que c'est, si on veut, une semi Hulkbuster, mais enfin une moitié en taille. Donc je trouve que ça donne vraiment très bien. Donc elle est articulée de partout, donc vous avez les bras ici, les doigts, donc tous les doigts sont articulés comme vous pouvez les mettre, vous pouvez faire les points, enfin comme vous voulez. Après donc vous pouvez faire la rotation vers le haut, le bas. Pour les jambes pareil, le genou, le petit orteil, enfin le bout de pied, l'armure vous pouvez la bouger. Vous pouvez aussi bouger ici. Donc après, pour aller à l'intérieur de Igor, en fait vous devez lever ici, lever là, et voilà où est l'armure Mark 50 avec justement Tony à l'intérieur, avec la tête bleue et l'autre tête normale que je vous montrerai après quand on s'intéressera aux minifigures. Donc franchement je trouve que c'est vraiment bien pour la taille qu'il y a. Il y a quand même eu la place pour inclure la figurine d'Iron Man à l'intérieur. Il y a juste ici qu'on voit un tout petit peu, et franchement c'est pas gênant. Après j'aime bien les détails avec les stickers, donc sur les jambes et de chaque côté sur chaque point de l'armure, et cette incroyable pièce imprimée une par deux de la Tiles pour les yeux et le début de l'armure bleue de Igor. Enfin c'est vraiment super beau, et en plus de derrière je trouve que ça donne vraiment pas trop mal. D'habitude c'est un look un peu de bateau, mais là ça va, c'est assez plat et arrondi. Donc franchement pour moi je suis très content de cette armure là de Igor en brick bulle, et là aussi vous avez les petits réacteurs arc au milieu. Enfin pour moi je trouve qu'elle donne vraiment super bien. Vous pouvez faire ce que j'aime bien faire avec les armures comme ça, les points, et mettre le point comme ça. Enfin vous pouvez faire pas mal de positions sympathiques avec cette armure. Pour moi elle donne vraiment super bien. Et donc maintenant on va s'intéresser au hall des armures. Enfin après avoir attendu si longtemps, même on aurait cru qu'il allait en avoir un pour Iron Man 3, mais il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant, et c'est pour moi l'un des meilleurs sets depuis longtemps. Donc déjà vous pouvez tout décrocher, donc là vous pouvez décrocher le petit endroit ordinateur, donc avec que des pièces bleues transparentes avec des autocollants. Ici il y a marqué Jarvis, donc le retour de Jarvis, enfin des détails d'armure, mais que c'est difficile à montrer parce que c'est tellement transparent, on le voit pas. Donc ça je vais le mettre de côté. Ensuite vous avez deux flammes qui peuvent être éteintes par demi. Donc le petit robot, une construction sympathique. Voilà. Donc ça aussi je vais l'enlever. Donc après pour le hall, vous pouvez faire plein de positions. Donc ça c'est la plateforme de base que vous pouvez pas enlever. Donc c'est ça qui tient tout le hall des armures ensemble. Donc là vous pouvez mettre la sympathique, attendez, je vais prendre l'armure 50 d'Iron Man dessus. Donc ce que vous pouvez faire la rotation comme ça, hop, pour que l'armure se fasse réparer de tous les côtés. Donc après vous avez les deux bras robotiques articulés de chaque côté, voilà, pour attaquer les pieds, les jambes, la tête du masque. Enfin franchement ça donne vraiment bien, et même pour habiller Tony Stark. Donc ça je trouve que c'est la seule chose qui manque dans cette boîte, c'est ce Tony Stark là, vraiment ça vous rappellera des souvenirs pour que l'armure vienne. Et ce qu'il fallait aussi pour cette boîte, c'est la petite suitcase pour accompagner l'armure justement, qui est la suitcase, donc l'armure dans la valise là. Donc c'est ça qui manque dans cette boîte, et donc ça fait pas partie, c'est de 2013. Donc hop, le cœur central de hall des armures, donc avec les deux bras. Donc après à chaque fois vous avez un compartiment donc construit pareil. Donc tout jusque là, juste ça c'est différent parce qu'il est accroché au cœur central des halls des armures. Donc là vous avez un petit smoothie avec une tasse. Ici un petit coin rangement d'armes avec un flingue et un
une pièce pour les pouvoirs, l'armure marque 5, marque 41. Donc je vous montrerai quand on est de l'autre côté, il y a des autocollants. Ici un petit jetpack pour mettre sur l'armure 1, ça aussi je vais vous montrer. Ici pour ranger encore une armure. Ça, après ça, vous pouvez les enlever et mettre vos armures si vous voulez et accrocher ça sur le dessus. Là vous avez la pièce de cheveux pour Tony Stark. En haut, au Trider et toute l'espèce de passerelle et une antenne pour capter la connexion. Donc déjà vous pouvez tout mettre en cercle comme ça, donc là je trouve que ça donne vraiment bien. Sinon, voilà ce que ça donne de derrière, donc ça fait vraiment le cœur central. Donc là vous avez des stickers d'armure qui sont pas présents dans cette boîte, donc ça c'est dommage. Donc vous pouvez aussi faire une espèce de réacteur arc fermé comme ça. Je trouve ça assez drôle, mais vous pouvez hein, si vous aimez faire comme ça. Donc là vous voyez avec le hall, donc ça ferait ici les ramènes qui changent, il y a tout le hall des armures, avec les armures tout autour. Mais pour moi le bon sens du hall reste quand même comme ça de ce côté là. Bon là c'est le plus serré, vous pouvez un peu moins serré, je trouve que ça donne plus classe. Attendez, j'ai pété ça. Voilà, comme ça je trouve que c'est la position le plus jolie. Et donc après le bureau, si vous gère à l'avant, vous pouvez justement le crocher derrière comme ça. Et hop, il est croché. Enfin, ça vous laisse vraiment plein de possibilités. Vous pouvez mettre aussi tout droit. Bon, c'est assez compliqué d'aligner, que ce soit pile droit. Ça fait un long haul d'armure. Enfin, ça donne vraiment super bien. Bon, il y a juste la construction. Il y a un petit peu de répétition avec le... pour chaque bloc d'armure, et sinon c'est vraiment super cool à construire. Ça se construit assez vite et vous avez un manuel pour le hall et un pour Igor. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser à toutes les belles armures et personnages dans cette boîte. C'est par elle parce que c'est la moins intéressante, parce qu'on les connaît, on en a déjà eu plein dans les sets Infinity War. Donc c'est les Outriders, donc vous en avez deux identiques, donc eux ils sont vraiment pareils que ceux dans Infinity War. Voilà. Donc lui je le raccroche dans le fond. Donc voilà, avec de jolis détails, avec la pièce accrochée dans le dos pour rajouter 4 bras. Alors que normalement ils en ont que 4 mais pas 6. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même une très belle figurine. Et j'espère que vous les aimez, parce que dans la vague Endgame, vous en avez une pétée. Maintenant on va s'intéresser à l'armure d'Iron Man Mark 5. Première armure, donc elle on la connaît, on l'a déjà eu plusieurs fois, enfin deux fois dans les sets Infinity War, mais c'est le moyen le plus simple, enfin le moins cher pour l'avoir dans cette boîte. Comparé à celle d'Infinity War où elle était dans le Sanctum et puis dans le Milano là, des Grains de la Galaxie. Donc elle est toujours aussi belle, avec de jolis détails sur le torse, sur les jambes, dans le dos. Le casque est vraiment beau avec les yeux bleus. Donc là avec le visage comme ça et le visage normal, où justement vous pouvez mettre la pièce de cheveux qui est fournie dans cette boîte. Voilà, donc ça c'est une très belle armure. Cette fabuleuse armure, donc c'est l'armure numéro 1, là où tout a commencé avec le MCU, et je la trouve vraiment fantastique, avec les reflets argentés sur le casque, tous ces détails de la tête aux pieds, enfin vraiment incroyable. Les détails dans le dos aussi sont vraiment ouf. Après j'aime bien cette pièce de casque pour justement le casque 1 d'Iron Man, et donc dessous vous n'avez pas de visage, c'est juste une pièce transparente, parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Et donc après vous pouvez rajouter ce que je vous disais tout à l'heure, le petit jetpack qui permettra à cette armure de voler un peu plus haut. Donc là c'est l'armure numéro 1.5 si on veut. Voilà, avec le jetpack, donc ça donne vraiment très bien. Elle est vraiment magnifique et vous verrez, si vous achetez cette boîte vous serez vraiment ravi de l'avoir dans les mains, cette armure, parce qu'elle représente vraiment beaucoup pour les fans de Marvel comme moi. Enfin, franchement elle est vraiment super belle. Et on continue avec les armures. Cette armure elle aussi qui est vraiment incroyable, j'arrive pas à y croire que Lego l'a enfin créée. Donc c'est l'armure marque 5 qu'ils avaient juste fournie dans, je crois, les 7 Iron Man 3, la petite valise justement, la suitcase. Donc là c'est vraiment au complet, elle est vraiment magnifique, détaillée elle aussi de la tête aux pieds. Voilà, avec des magnifiques détails sur le torse, vraiment j'adore, argenté comme ça. Les jambes aussi, le casque avec les détails des traits noirs, la pièce argentée. Donc là aussi vous pouvez lever comme toutes les autres armures, la tête transparente à l'intérieur. Et les détails dans le dos sont vraiment fabuleux, elle est vraiment incroyable cette armure. J'arrive toujours pas à y croire qu'ils l'ont fait et que je l'ai dans les mains, elle est vraiment superbe, waouh. Enfin j'ai rien à dire, c'est l'une de mes favorites armures, je pense depuis longtemps, que Lego ait pu faire.
Continue. C'était vraiment inespéré que Hugo la fasse. Donc c'est l'armure Bones Mark 41. Elle est vraiment magnifique avec tous les détails dorés. Enfin, normalement c'est un peu des pointes qui dépassent, mais elle ne pouvait pas le faire. Mais elle, c'est vraiment fantastique. Elle aussi des détails de la tête aux pieds. Le casque en doré avec les taches noires sur le côté. Enfin, le casque carrément imprimé. Enfin, moulage en noir. Les mains dorées, le réacteur au milieu, les détails dans le dos, donc elle aussi avec la tête transparente parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Enfin, elle est juste incroyable, j'ai rien à redire. Toutes ces armures dans cette boîte sont juste dingues. C'est vraiment, si vous êtes fan d'Iron Man, c'est la meilleure boîte pour vous que qu'il faut que vous achetiez. Elle est juste fantastique. Donc voilà, je vais tout vous remettre ensemble. Là, je vous ai tout remis, donc franchement, j'ai rien à dire. Si je mets une note, c'est 9 sur 10. Et elle est vraiment parfaite. Le seul truc qui manque, c'est un Tony Stark normal. Voilà, avec la tenue qui irait bien pour le bureau et tout. Et peut-être une Pepper Potts, une nouvelle, ce serait cool. Enfin, franchement, elle est vraiment parfaite, cette boîte. Avec plein d'armures différentes. Des Outriders, Igor, qu'au final, moi, je trouve vraiment super bien réussi. Et le prix encore, ça va. Donc, 70€ pour les 521 pièces, je crois. Et la boîte est vraiment super belle aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi ma review Speed Build quand elle sortira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo des 7 Avengers Endgame. Salut, salut.